Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer à voir les classiques de chez FabFilter et aujourd'hui, on va regarder le Pro C2, le compresseur de chez FabFilter. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum les vidéos sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des sorties des dernières vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens disponibles directement dans la description de la vidéo. Donc si vous souhaitez avoir tous les renseignements sur le Pro C2, il vous suffit d'aller directement sur le www.fabfilter.com et vous allez arriver sur le site. Dans Plugins, vous pouvez sélectionner Compresseur Pro C2 et vous allez arriver sur cette page. Vous allez avoir toutes les indications concernant ce compresseur qui va être vraiment multitâche et relativement utile dans tous les cas de figure. On peut le mettre aussi bien sur des instruments, sur des bus, sur votre bus master. Bref, il va vous servir à gérer la dynamique de votre son, que ça soit de façon subtile ou même s'il faut y aller plus fort. On va avoir aussi une section sidechain, donc on pourra commander le compresseur grâce à un élément extérieur ou alors tout simplement par rapport à l'equalizer sidechain qui va y avoir à l'intérieur, donc ce qui va nous permettre de pouvoir écarter de la chaîne de détection, et je dis bien de la chaîne de détection puisque souvent il y a des confusions avec ça, le fait d'écarter par exemple les basses fréquences de la chaîne de détection ne va pas impliquer que les basses fréquences ne vont pas être compressées, mais simplement qu'elles vont être écartées de la chaîne de détection, ce qui fait que le compresseur va agir d'une façon plus douce sur la compression de votre morceau, même si vous avez un kick ou une basse très puissante, ce qui fait que ça va entre guillemets aider à homogénéiser la compression en privilégiant et en concentrant votre compression sur tout ce qui va être haute fréquence et en laissant tranquille vos basses fréquences. Donc dans les morceaux type hip-hop, EDM, techno, ça va être relativement utile. Après, on aura la possibilité de travailler en plein écran. Il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été faites entre la version 1 et la version 2. On a différents modes d'utilisation, vocal, mastering, bus, punch, pumping, bref, il y a pas mal de presets à l'intérieur qui peuvent vous servir de point de départ pour apprendre à utiliser le logiciel. Il va pouvoir gérer aussi bien la stéréo que le mid-side et va fonctionner sur toutes les DAW du marché, donc en VST2, VST3, Audio Unit et AAX. Donc vous avez toutes les informations sur le site de FabFilter, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais vous retrouverez aussi le Pro C2 directement sur le site de Plugin Boutique si vous avez un compte, et vous pourrez profiter des petits cadeaux. Là, on est passé au mois de décembre. Les cadeaux offerts ont été un petit peu modifiés, c'est-à-dire qu'on a l'Antares Choir, le Air Music Drum Synth est resté, le Traction Love est resté, et vous avez un mois de Loop Cloud offert aussi à pouvoir choisir en cadeau. Ensuite, vous allez avoir toutes les petites explications par rapport à ce compresseur qui va vraiment être utile dans énormément de cas de figure et qui va être un atout, un par sa transparence, deux par rapport à sa facilité d'utilisation. Là, on va pas aller chercher un compresseur qui va nous rajouter énormément de distorsion ou de saturation, comme si vous preniez une émulation vintage. On va être sur quelque chose d'un peu plus transparent, voire entre guillemets chirurgical, mais très utile pour pouvoir dominer les pics de votre musique.
Donc maintenant, on va retourner dans notre petit morceau dans Machine où je l'ai utilisé sur les drums, sur mon piano et sur la partie master de mon petit morceau. Donc là, on se retrouve dans la petite session Machine que j'avais fait pour vous présenter le Pro Q 3 qu'on a vu il y a quelques jours. Et aujourd'hui, on va voir l'utilisation du Pro C2. Donc dans cette session, j'ai utilisé le Pro C2 sur différentes pistes. La première utilisation, ça a été sur ma piste de piano, puisque j'ai fait intervenir le VST Flexbeat, qui permet de créer des effets rythmiques sur mon piano, ce qui fait que ça a produit différents effets, genre tape stop, répétition de notes, ce qui fait qu'en fait, la dynamique de mon son de piano a changé. Pour pouvoir la contrôler, j'ai mis sur la piste piano un compresseur Pro C2 pour pouvoir contrôler les différents pics et ces changements de volume dus à mon effet Flexbeat. Ensuite, j'ai utilisé un autre Pro C2 directement sur ma piste de batterie parce que dessus, j'ai utilisé l'effet de stutter interne à machine. Donc pareil, effet rythmique, et en même temps ça va me permettre de contrôler ma batterie dans le morceau. Et enfin, sur mon bus master, j'ai mis un Pro C2 pour pouvoir contrôler la dynamique de l'ensemble du son au niveau de la piste master. Après, sur ma 808, sur les voix, j'ai pas spécialement mis de compresseur, juste la gestion des volumes, puisqu'il n'y a rien de spécial en fait au niveau des voix et au niveau de la 808. J'ai juste utilisé le Pro Q 3 pour pouvoir faire mon sidechain de fréquence sur la 808. Et lorsqu'on écoute le morceau avec toute la chaîne master, ça va nous donner ceci, en sachant que je suis resté simple au niveau de la chaîne master, un Pro C2, un Pro C3, et en guise de limiteur, j'ai utilisé le L1 Plus Ultra Maximizer de chez Waves. Ça va nous donner ceci. C'est vraiment le compresseur du bus master qui va me gérer, entre guillemets, la dynamique au niveau de ma basse. J'ai pas mis de compression particulière dessus, mis à part la saturation qui elle-même va légèrement compresser le son. J'ai utilisé un petit VST gratuit bien connu, hein, le Saturation Knob de chez Softube. Et après, le sidechain par le Pro Q 3. Maintenant, si on fait un petit tour du propriétaire par rapport à notre fameux Pro C2, on va se retrouver avec un VST comme ceci. Si on fait le tour de l'interface, on va avoir un undo, un redo pour pouvoir revenir en arrière ou revenir en avant, suivant les modifications qu'on a fait sur les potentiomètres de l'interface, la possibilité de faire une comparaison entre un preset A et un preset B, la possibilité de copier le preset A sur le preset B, puis de modifier le preset B pour voir ce qui ira le mieux, une bibliothèque de presets qui va être rangée par catégorie basse, drum, guitare, mastering, mixbus, piano,
spécial, vocal, et ensuite vous avez les presets que vous allez enregistrer et le preset par défaut pour remettre votre procédé à zéro. Le petit bouton Help pour faire apparaître la bulle avec le petit texte d'aide dès que vous allez sur un paramètre. Et enfin, la possibilité de pouvoir mettre votre procédé en plein écran, même en ayant le sidechain d'afficher à l'écran. Donc ça, c'est relativement cool et pratique pour pouvoir travailler sur le VST. Ensuite, au niveau du graphique, ici, on va avoir la partie, entre guillemets, compression avec le threshold. Donc là, si mon threshold est à zéro, ça me fait une ligne complètement droite. Et à partir du moment où je vais commencer à augmenter le threshold en fonction du ratio que je vais avoir choisi, ben, ça va me créer une pente. Juste en dessous le threshold, on va avoir le CNI qui va nous permettre de jouer sur la dureté du coude qu'on va avoir ici, qui est créé par le ratio. Donc plus le ratio va être élevé, plus le coude va être raide, et on peut l'assouplir grâce au CNI. Donc en soft, ça va arrondir le genou, comme on dit. Plus je vais aller vers le hard, bah plus je vais être pentu. Maintenant, là, vu que je suis sur un Bustmaster, je me suis mis à peu près un ratio de 2, et ensuite, j'ai juste à appliquer mon taux de compression en fonction de ce que je vais faire. Ensuite, au milieu, je vais avoir la possibilité de choisir différents algorithmes, c'est-à-dire que le compresseur va fonctionner en clean, classique, opto, donc comme un compresseur opto, vocal, mastering, bus, punch, pumping. Donc tout ça, ça va être directement des algorithmes qui vont changer le comportement du compresseur en fonction des réglages que vous allez faire. Après, on va avoir le réglage d'attaque, en sachant que c'est écrit en anglais, mais en gros, si vous allez vers la gauche, vous allez avoir une attaque rapide, vers la droite, une attaque lente, ok. Pareil pour le release, à gauche, un release rapide, à droite, un release lent. Juste en dessous, vous avez une fonction lock ahead ici, que vous pouvez mettre en fonction directement en bas de l'écran, et à ce moment-là, vous allez pouvoir déterminer combien de millisecondes vont être mis, puisqu'en fait la fonction lock ahead, c'est comme si le VST lisait le son à l'avance pour déterminer les pics afin de mieux pouvoir les contrôler en fonction des réglages que vous allez avoir appliqués. Donc des fois c'est utile, des fois c'est pas utile, c'est à vous de voir et d'essayer de les tester. Juste après, vous allez avoir le paramètre de maintien hold, votre release, en sachant qu'on a une fonction automatique. Si vous n'êtes pas sûr de votre réglage de release, vous pouvez vous mettre en automatique et ensuite, il vous restera plus qu'à régler l'attaque. Après, vous allez avoir deux potentiomètres de gain, donc un qui va servir pour le wet, un qui va servir pour le dry. Donc le dry, on va avoir le son naturel qu'on va pouvoir réinjecter pour faire comme de la compression parallèle. Et le wet, c'est le son qui va être traité, que vous pouvez augmenter ou diminuer suivant ce que vous voulez faire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces deux fonctions, vous pouvez le laisser comme ça à 100%. Et venir agir ici directement sur le bouton mix. Ça va revenir un peu au même que de faire mumuse avec les deux paramètres ici. Donc si je reviens à 100%, ben je vais me retrouver avec la compression réelle comme si ces deux boutons là n'avaient pas changé. Là je vais avoir mon gain d'entrée, mon gain de sortie, ici le bypass
et là, comme je l'ai dit, le bouton mix pour gérer la compression parallèle. On va avoir aussi la possibilité de faire un oversampling x2, x4 et un MIDI learn directement intégré au soft pour pouvoir affecter les paramètres de votre compresseur à votre surface de contrôle. En bas ici, on est sur l'EQ sidechain. Donc là, c'est le sidechain interne au compresseur qui va vous permettre, par exemple, d'évacuer les basses fréquences de la chaîne de compression. Donc, petite chose à bien retenir, c'est pas que les basses fréquences ne vont pas être compressées, c'est juste qu'en évacuant les basses fréquences de la chaîne de compression, elles vont pas agir dans le processus, en fait, de compression. Mais les basses vont être compressées. C'est-à-dire que si vous avez des basses puissantes et que vous laissez l'intégralité des basses agir, en fait, le compresseur, il va faire que de compresser les basses et va pas compresser le reste du spectre sonore. Alors que là, si votre niveau de basse est bien réglé et que vous évacuez les basses fréquences, ben, ça va permettre au compresseur d'agir sur la partie médium et aigu de votre son. Donc si on regarde en fonction ce que ça peut donner, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Là, si on écoute la compression, on voit que le compresseur va agir aussi bien sur mes basses que sur mes aigus. Si je retire les basses fréquences et qu'on réécoute ce qui se passe au niveau du threshold, là on se rend compte qu'on intervient bien au niveau de ce qui va être toute la partie médium et aiguë. Ensuite ici, je vais baisser un peu le dry. Donc là, si je fais un bypass sans compresseur, avec la compression. Bien sûr, on a la possibilité d'écouter ce qui se passe au niveau de l'équalisation sidechain. Si je remets l'audition normale, là le VST est en bypass et avec la compression.
très bien pu mettre avec un algorithme mastering puisqu'on est sur le bus master. Là, on est en bypass. Voilà. Après, si je reviens par exemple sur mon bus de drum, donc là, je vais mettre les sauts instruments en bypass. Je vais mettre sur mes drums. Où j'ai aussi un procédé qui vient faire de la compression par rapport au drum. Donc là, pareil, j'ai retiré une partie des basses fréquences pour que mon kick ne vienne pas trop altérer la compression. Donc il va être compressé, mais il n'intervient pas dans la chaîne de détection. J'ai mis un ratio de 4 pour 1 et je suis en mode bus. Ensuite, j'ai réglé mon attaque, mon release et j'ai réglé aussi mon dry et le wet. Donc là, on est avec le compresseur et là, on est sans compresseur. Et si j'écoute ce qui se passe au niveau du threshold, vous voyez, ça agit sur mes snares, sur mes hi-hats. On va dire que ça contrôle réellement les pics lorsqu'il y a mes effets de stutter et compagnie. Premier bypass. Donc après, il n'y a pas une grosse différence étant donné que je me suis débrouillé pour compenser entre le son qui rentre et le son qui ressort pour avoir un volume constant. Et ensuite, si je prends le piano, c'est exactement la même chose. J'ai mis mon compresseur, et si on écoute ce qui compresse, ça va être les effets de répétition. Et si on fait un bypass, là on est sans, et là on est avec. Donc ça donne au piano une meilleure définition, mais en même temps, ça ne va pas trop me l'écraser et j'ai retiré une partie des basses fréquences de la chaîne de détection pour conserver un piano plus naturel. Et inclus dans le mix. Thank you.
d'appareil, mon Bussmaster. Là, je le remets en fonction. Comme à chaque fois, bien veiller à compenser ce que vous faites, c'est-à-dire que lorsque vous faites vos réglages de compression, ça ne va pas servir comme boîte à booster le son. Il faut compenser le volume de sortie pour qu'au niveau de vos vue-mètres, ce qui se passe en entrée soit équivalent à ce qui se passe en sortie, qu'on ait vraiment uniquement l'effet du compresseur sur le son. Donc, comme vous pouvez voir, le Pro C2, ça va être vraiment un outil qui est relativement transparent, percutant, qui peut permettre de faire d'excellentes choses. Ensuite, c'est à vous d'apprendre à le maîtriser. Alors moi, j'utilise très peu de presets. Généralement, je fais mes réglages moi-même en fonction de l'endroit ou de l'instrument sur lequel je le pose. Bien entendu, toujours bien veiller, comme pour l'équalisation, comme pour quasiment tous les effets en fait, à toujours compenser l'effet du compresseur ou de l'EQ ou en gérant le volume d'entrée, le volume de sortie, pour avoir un gain constant et avoir uniquement l'apport de l'effet que vous posez sur votre piste. Et en gros, voilà pour cette petite présentation. Donc le Pro C2 est relativement intuitif. Grâce à son écran graphique qu'on peut mettre en plein écran, on va voir exactement ce que le VST va faire sur votre son. Puisque quand il opère, on peut voir en gris clair le son avant et en gris foncé le son après. Donc on sait exactement ce qui se passe quand le compresseur interagit. Pareil pour l'equalizer, et ça c'est vraiment très pratique. Donc j'espère que cette petite présentation du Pro C2 vous aura été utile. J'ai essayé de donner un maximum d'informations sur ce VST qui reste un classique de la compression, puisque comme le Pro Q3, le Pro C2 est utilisé par énormément de beatmakers. Ensuite, on va dire qu'il reste plutôt transparent, mais il y a quand même possibilité de faire des choses relativement pointues pour pouvoir gérer la dynamique de votre son. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!